Tov, Boker Or. Ce matin, Be'ezrat Hashem, nous allons poursuivre notre étude sur les lois relatives à ce que l'on a le droit de saisir en main pendant la Amida. Vous savez que la Halakha a indiqué qu'il était interdit de détenir un objet dans les mains au moment de dire la Amida pour ne pas être déconcentré. C'est pourquoi il est interdit de porter un enfant, par exemple, pendant la Amida. Il est interdit d'avoir un objet de valeur également dans les mains pendant la Amida. Pourquoi ? Puisque l'on risque de se disperser rapidement et surtout de veiller davantage à faire en sorte que l'objet soit toujours en main plutôt que de réciter la Amida donc correctement. Est-il permis de prier la Amida en lisant les mots dans une tablette, dans un téléphone, d'accord, dans tout support numérique qui est à disposition aujourd'hui, dans lesquels nous avons une multitude d'applications qui nous proposent ce service? Est-ce que, halakhiquement parlant, c'est permis de réciter la Amida dans ce genre de support? Il est vrai que l'on peut se déconcentrer rapidement en ayant un objet de valeur dans les mains, ce qui est a priori le cas pour un téléphone ou pour une tablette. Il est vrai également que l'on peut se déconcentrer parce que en ayant un support pareil, on pourrait éventuellement recevoir des notifications, des messages, des appels éventuellement au moment de la tfila. Malgré tout, c'est marqué dans la halakha que lorsqu'une personne se saisit d'un sidour de très grande valeur, il peut prier correctement. Pourquoi ? Puisque même s'il a peur que l'objet, le support, le sidour s'abîme, étant donné qu'il est concentré en lisant les mots de l'Amida, il ne se disperse pas. Disons que, halakhiquement, on pourrait également transposer cette idée à propos du téléphone et de la tablette ou à propos des autres supports numériques, à la condition, bien évidemment, qu'il ne soit pas en mesure de recevoir une quelconque notification à ce moment-là, ce qui veut dire que une personne qui n'a pas le choix, qui n'a pas de sidour, qui n'a pas d'autre support, qui a besoin de prier dans un téléphone, dans une tablette ou sur un autre support numérique, il aura le droit de le faire à la condition d'éteindre les notifications, de mettre ce qu'on appelle aujourd'hui le mode avion pour pouvoir se concentrer sur les mots uniquement sans être dispersé par autre chose. Et au rime, t'es...